Et ça fait comme si, des fois, aucun gain ça, mais les sentir plus produits, plus pas bizarre, mais comme. Pas des chimies comme faux, c'est juste comme si vous voulez me faire sentir réel, vous voulez me faire mon espace. Oui. Attendez, un grand feedback, ou bien un zzz de quelqu'un. Ok, les pattes. Ok, idée c'est, nous avons tous dans le même espace. Donc, les pattes t'as fait sens si on tendait en guitare dans un grand jazz club, comme t'as tendait snare à l'église. Deux différents espaces. Donc, là, fait ça si on veut, mais on a besoin conscient si on fait différent ça. Donc, si on fait en groupe comme ça, en jazz, ils tapent tous dans le même espace. Ça n'a pas fait sens pour eux dans un différent espace. Donc, on va en plate et oui, et hall. Ok. Nous là, l'autre guitare. Ça, aucun des difficultés avec ça. Même genre kick et basse, il n'y a aucun goumet. On peut adjoindre ça avec deux guitares, piano, n'importe quoi qui comme instrument mélodique, même trompette, synthétiseur. Donc, faut que juste conscient de qui espace qui est plus important pour chaque instrument. T'as un que plutôt vers 800, c'est pour l'autre guitare. Oh, ça belle! Ok, donc pas fait de bail précise, mais c'est ça l'idée, même principe. Il y a un petit où aime souvent mettre en compresseur. Pas senti qu'au besoin de mettre en compresseur sur tout bail. Seulement là, mettre en compresseur qui pas vraiment fait en pile bail. Les juges travaillent pour normaliser son anti-crasse parce qu'il y a un paquet de dynamiques dans la guitare et comme si c'est un instrument rythmique, on voulait que les kembe comme assez plat, on pas voulait trop dynamique sur lui. Là, il fait solo, on voulait dynamique, mais ça, c'est un backing instrument, donc on ne pas voulait le faire comme. C'est l'inverse avec tambouyo. Tambouyo, on va percussion, on voulait et puis sorti. Donc, vous voyez que sous ça, on n'a pas besoin de compresseur, on juste pas mettre, pas senti qu'on a besoin de mettre le compresseur sous toute barre. Parce que sinon, vous pouvez juste commencer à faire trop de distorsion, trop effet, ou pas voulez faire trop effet. Vous voulez minimaliser editing ou changement que vous faites sur le signal.
Donc, ça, c'est de backing guitar. OK. Souvent, ça me fait pour partie solo. Ah ouais, ici, on te coupe. C'est on peut juste mettre solo sur un nouveau track. C'est ça. Et ça, c'est presque le même principe, c'est juste après le refrain. C'est presque un solo, même genre que ça. Yon, bah, juste très important de nous faire un solo, c'est que bah, t'as dû centrer. Ouais, moi, mais tes relations, bien ici avec guitare, yon, bien guitare électrique, une guitare acoustique, et j'ai vraiment l'effet vocal cachita sous lit. Mais là, elle fait solo, ou voulait que guitare lui prenne place non centre. C'est comme si c'est lui-même qui chanteur. Donc, on parle. Faire un nouveau track, on peut automner un panning si on voulait. Moi-même, juste préféré qu'il y ait simple, faire un nouveau track, mettre bas ça dans le centre. Et ici, on tape, on pas tape juste copy-paste, comme on a fait vite, on peut juste vite copy-paste, parce que c'est très similaire, juste pour nettoyer son. Mais comme si c'est un lead kounya, on tape ajouter l'autre bar encore. Donc, c'est sûr, on tape mettre effet espace et tout ça, mais souvent on voulait ben, vraiment pousser plus sur solo. C'est like, peut-être monde qui enregistrait les fois avec pédale, les effets solo, les clics en pédale, et puis qu'on a les gains plus de distorsion, les gains plus son sous lit. Des fois, guitariste pas joué bon son, et donc c'est travail par haut pour jouer son yo cherché. Si on va être très créatif, mais. C'est le mixage, c'est un bail créatif bien. Donc ça, moi, je me fais moi-même. C'est à part juste reverb, moi, je vais ajouter un genre de distorsion. Et logique, il y a un bel bail c'est Amp Designer. Et qu'on a effect ici, like, ajouter un autre son sur lui. Donc avant, il était juste comme ça. Les changes de bas net. On va taper ça complètement comme ça, mais on peut ajouter un bas, comme il vient en mélange. Donc ça, c'est un cas où on peut utiliser la distorsion exprès pour faire bas sortir, bien clair. Surtout, ben, attendez ça. Okay. On fait guitare. Ici, bientôt on fait pas, mais c'est essentiellement mieux. Utiliser EQ, compression, effet spatial, c'est tout. Okay. Et ça, m'ajouter piano. Et c'est juste même bail, spécialement avec guitare. Premier bail, on connaît tout bail en bas, 80. Pas besoin de ça du tout, du tout. Et encore, si le game bel détail là, si on tape seulement mixer ça, belle basse, mais
C'est ça, l'importance de tendre tout mix pendant qu'on fait ça. Détestable, juste pas qu'à faire rien. En fait, charger espace ça avec trop de fréquence, juste pas capable. Ici, pas un principe exact comme absurde, c'est une question de goût. Donc, on connaît pas besoin de ça, on connaît comme gain range, mid-range, 300 à 1000 Hz. C'est ça, on gagne pour travailler avec, mais on connaît déjà, on gagne guitare acoustique là, on gagne guitare électrique là, donc on a besoin fait place pour chaque instrument, you know? C'est un tout petit, 1-2 dB qui a fait une grande différence dans tout bas, ça. Donc, régler, sortir l'eau, régler mid. Ajouter brillance, c'est ça l'étape. Après ça, c'est une question de goût. On va expliquer qui ça fait exactement chaque. C'est juste me chercher, me dire, ah, ça bon, si le son est bon, il est probablement bon, mon cher. Il y a des hauts pics sous le piano, ça, on a besoin d'adresser hauts pics. Normaliser le niveau anti-casse. Pour ça, ma petite track guitare. Je me capte vite. Mais je vais te dire, il est vraiment mieux pour faire un nouveau boss. Ou qu'à utiliser même preset, même effet, mais juste faire un nouveau boss pour gagner plus de contrôle sur chaque paire. That's it. OK. C'est base. Tout ça me fait dans 1 heure. Mais c'est pas fait rien trop spécial. Wap juste fait, ça me saute fait. Mais wap fait sous 6 heures. Wap bien prendre ton. Vraiment critiquer ça, wap fait. Wap je bien chercher. Mais c'est ça le processus que me fait. Juste EQ, compression, espace. De temps en temps, wap utilise le bas. Hein, mais c'est vraiment juste prendre ton moins. Avec effet saillot. Kounia en parle sous vocals. Juste un dernier, bah, avant de nous parler sous vocals, c'est que souvent, le monde qui a une tendance pour faire automation. Tout nos projets. Moi-même, j'aime automation pour faire un projet. Automation, les retirer possibilités moins pour changer niveau, changer bail. Et avant, ou bien t'as fait mixage sur tout bail, niveau yo, balance yo, a toujours changé. Bail, a changé chaque seconde. Donc là, on met des automations, c'est comme si on va préciser exactement quel volume on a besoin, mais au poco connaît. Donc, pour ça, on tape spécifier si on peut reconnaître.
Donc, par exemple, avec piano, nous sommes fait. Piano, ça a besoin en pile automation. Pralguer un moment, on voulait le bas, et pralguer un moment, on voulait le sortir, et puis le bas encore. Moi-même, pour Kounia, m'a besoin en place, en niveau qui est bon, comme Tondel, mais il n'y a pas de prendre trop d'espace dans le mix. Et puis, Pita m'a tourné sur automation, sur lui. Ouais, sur ça après. Rap. Kounia n'a pas les souffles vocales. Même processus pour vocal pour première partie. Premier map, attendez monsieur. Connais pas besoin de ça. Après, je qui place qui pi bas nos fréquences pâles. Qui j'entablais pour vous chanter sur Pajam Babillé. Qui j'entablais pour vous voler. Ok, donc les gammes basses. Les gammes basses non voiles. On pas, c'est pas comme ajouter bas ça, mais juste les connecter qui volent pour ne pas couper ça. Mais tout reste bas en bas, ça, on pourrait m'envoler. Ça, tu comparer parce que tout va se faire et tout ça va dépasser la hein on dit ou le café et tout parfait le bah au prêche on fait le son de morale pour yo. Ok, on garde un preset Mailvox ça y fait yo même. Ouais, c'est presque même pas. On descend l'eau. Yo exagéré plus. Yo joue une place tonalité de. Place tonalité, exactement ça, non mid-range. Puis yo ajouté en brillance. Ouais, ça, tout exagéré. Ouais. Qui j'entablais pour voler. C'est voix moins. You know, like, mince, excusez-moi. Mais il y a un bel principe là. L'eau pas, on montre nous. Vintage vocal. Qui j'entablais pour vous voler. Pas mal. Qui j'entablais pour vous chanter. Qui j'entablais pour vous voler. Sur Patapon marché. Je juste montrer que ou pas qu'à faire confiance dans le preset. Il y a aidé. On toujours utilisé pour chercher idées. Chercher inspiration, mais on pas presque pas jamais fini avec un preset parce que il juste il pas marché chaque monde chaque instrument complètement différent ou pas qu'à ou pas qu'à juste utiliser preset seulement yo. Juste montrer où ça où c'est clair. Donc premier EQ on fait un bar qui pas trop exagéré, juste jouer une tonalité mid range un petit brillance même qu'à pousser un petit casse plus et couper l'oyo. Qu'on y a un bras, j'étais un compresseur. Qui j'entablais pour vous voler sur Patapon marché. Qui j'entablais pour. C'est le même principe avec tout instrument, mais spécialement vocal, on ne peut pas les pousser par les trop. On a une tendance. Qui j'entablais là, on dit ah, vocal là, sonne bien là, il est fort. Mais on voulait. Utiliser chaque effet pour faire une toute petite tâche. Et on peut ajouter un autre compresseur après. Mais on ne peut pas chaque effet fait trop de travail. Donc, premier bar, on peut faire avec premier compresseur, c'est juste contrôler le niveau. On ne peut pas vraiment booster rien, juste contrôler le niveau. Qui j'entablais pour vous voler sur Patagon marché. Qui j'entablais pour vous chanter.
Une bonne règle avec ça, c'est you know, n'importe instrument, si vous parlez compression vient trop et vous sonnez non naturel, ou pas les jouer que les couper plus que moins de 10 dB. Honnêtement, moi-même, vers moins 5, sinon les commencer à sonner non naturel. C'est juste contrôler. Les ligues ont pile force en voix là pour être un petit casse, mais pas trop. Qui j'entable pour chanter? Ici avec release, même principe avec basse là, que nous voulons corps basse là, release sustain, nous boost ça, et même idée avec voix, parce que là le chanteur il fait chanter, you know, il baisse, mais dernière tonalité ça, il a une belle tonalité, plus il a son gorge, un bel, il fait un son intime, un vrai son ça, un vrai ça sorti, pour moi me sonner comme si monsieur à côté. Donc, c'est ça en bas avec la compression carbon. Moi, si on ajoute un make-up gain et on fait un long release, ça fait que l'ajouter make-up gain. T'es pas tant de marcher. L'ikembe pour longtemps, pour 520 millisecondes. Assez pour pousser release pour le kembe. Qui j'entame pour voler si ou pas t'apprendre marcher. Ok. Il y a un problème, Genton. Ouais, c'est tout va être ça, sibilance. Donc, on va l'utiliser en paquet de DSR. En fait, normalement, on utilise Waves DSR, mais Logic est un bel DSR qui marche assez bien. On va essayer en plus cette. Qui j'entable pour voler? Ok, m'a sauté le ch. Ok, pas mal exagéré trop. Max reduction, 4 dB. Qui j'entable pour voler si ou pas t'apprendre marcher. Toujours un S, mais je vais pousser vos ralentis plus. Je vais utiliser un lot de compresseur. Quand il y a celle-là, je ne vais pas normaliser le niveau, je vais juste qu'il y ait un pic. Qui j'entame pour voler si ou pas t'apprendre marcher. Qui j'entame pour voler. Si ou pas t'apprendre marcher. Qui j'entable pour ou chanter. Si ou pas j'en babille. Donc juste. Autre son yo. On va ajouter un lot, yes sir. Il y a nous qui va attaquer un lot de fréquence. C'est ça. Qui j'en. Qui j'entame pour voler, si ou pas t'apprendre marcher. Qui j'entame pour chanter, si ou pas j'en babille. Qui j'entame pour voler, si ou pas t'apprendre marcher. Qui j'entame pour chanter. Ok, venir nettoyer vocal. Bah, hyper content avec quoi pas ça, mais. Il est là. Il est juste manqué un petit brillance. Attends. Qui j'entame pour voler si ou pas t'apprendre marcher. Qui j'entame pour chanter si ou pas j'en babille. Mieux. Ou juste faire toujours en balance parce que souvent on va pouvoir que le vocal n'a pas gagné assez présence, clarité. Mais là, au booster présence, clarité, c'est comme 2000 Hz à 20 000 Hz, dépendant de ce qui sera recherché. On va besoin de plus. Donc, c'est un problème. You know, c'est en balance. Qui semble booster, qui semble besoin de couper,
combien EQ ont besoin d'utiliser, combien DSR ont besoin. Mais ça, en effet, c'est juste en grand chaîne. Normalement, on a pour 10-15 effets. Et chaque effet, il n'est pas fait en grand bas. Il est fait en tout petit bas. Chaque EQ, vraiment, tout petit bas. Ça, c'est comme... Dans toute chaîne, ça, ça c'est l'effet qui fait plus bas. You know? Lui-même, il booste 2.6 dB. Oui. Donc, il y a un compresseur qui n'est pas vraiment fait en plus bas. Il booste 1.5, mais il est vraiment juste là pour normaliser le signal. Il y a un tout bas juste. En tout petit cas. Même dans DSR settings, normalement, c'est enlever 6 dB. On ne peut pas avoir tout changement ça. On baisse 7.6 dB. Pour tout bas, moins. Pour ne pas sentir tout effet. Pour les sons naturels, toujours. Qui j'ont armé pour voler. Kounia, m'tap toujours continuer sur ce système ça. M'tap toujours continuer de travailler sur ça avec EQ compression. Yeah. M'tap passé n'importe 8 heures sur ça. Juste chercher exactement qui balance tout bas. You know? Mais c'est pas utiliser bas complexe, plus complexe que ça. C'est juste EQ compression, DSing. Donc c'est yeah, EQ dynamique. Kounia, m'ka ajouter effet espace. Même idée, m'kembe même plate. Qui j'entame pour voler, si ou pas t'apprends marcher. Oui, plate là, elle est juste, elle fait le chitano en espace. Pour voler, si ou pas t'apprends marcher. Qui j'entame pour chanter. Ok, elle juste fait le son en petit cas, puis live, puis vivant. Kounia, mette le nom. Hall, dans jazz room, dans grand espace, bien. Même un tapis utilisé sur l'autre instrument. Qui j'entame pour voler, si ou pas t'apprends marcher. Qui j'entame pour chanter, si ou pas j'en babiller. Kounia m'a monté en l'autre